Alors bonjour à tous, c'est Rico Chris et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Batman Forever sur Super Nintendo, jeu développé par Probe et distribué par Acclaim, pardon, comme on le voit sur l'écran. Donc voilà, je ne l'ai jamais joué, ce qui paraît c'est une des pires adaptations de Batman existantes. On va voir ça ensemble. Je m'excuse déjà s'il y a une sorte d'écho dans ma voix, j'ai passé plusieurs minutes à essayer de régler ça mais je n'y suis pas arrivé. Je vais couper le son du jeu pour être sûr que ma voix soit plus importante. Alors, choix du héros, Batman, Robin. Je suis fan de Robin, donc on va prendre ce cher Dick Grayson. Accessing the Batcave. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Alors, je ne comprends pas. On va passer, c'est pas grave. Alors... Je vous avais fait il n'y a pas si longtemps des vidéos sur Batman, des aventures de Batman et Robin, qui est pour moi l'une des meilleures adaptations en jeu vidéo des aventures de Batman. J'en ferai sûrement un test, mais là j'avais envie de vous faire une découverte de Batman Forever, voir si ce jeu est vraiment aussi horrible qu'on le prétend. Donc on va pouvoir en juger tous ensemble. Je ne le découvre pas complètement dans le sens que j'ai vu la vidéo du joueur du grenier. Donc je sais, par exemple pour le bas de grappin, ce qu'il faut faire, mais sinon à part ça, non, je ne sais pas vraiment à quoi je m'expose, quels sont les risques que je prends. Hold on, ok. Ah ben voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas... Ah ouais, non, carrément, quoi. Ah ouais, c'est pas beau. on va voir un combat. Oh là là. Enfin, je l'avais vu, mais bon, le voir maintenant, en plus, en mouvement, quand moi je joue, ça change complètement la donne, quoi. Alors, deuxième passage, hold on, toujours hold on. Des temps de chargement. Super Nintendo, c'est pas habituel, mais bon. Ouais. Le mystère est déjà là. On dirait Robin est déjà là aussi, hein, d'un autre côté. Solve my riddles and to secrets be led if they aren't already over your head. Oh, les combats sont pas tip top. Ouf! On a fait le coup de Mortal Kombat, le percute. Il y a moyen d'aller en haut. Ok, donc. Sélectez haut. L'un après l'autre, très important, sinon ça ne marche pas. Alors oui, je n'ai pas dit, j'ai eu un Batman Forever sur Game Gear à l'époque. Ok. Donc je n'avais jamais dépassé le deuxième niveau, mais ça commençait différemment, on commençait dans la banque comme dans le film. Là on est à l'asile d'Arkham, donc c'est un peu plus bizarre. Oula, j'ai pété le coffre. Madame. On va peut-être voir MacDoc McCree. Tac tac tac. Okay, je sais pas vraiment ce que j'ai récupéré. Et je me demande les seins, qu'est-ce que c'est ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'est la porte est ouverte, j'avais pas vu. Hold down. Waouh! Oh putain, comment tu veux esquiver ça la première fois? Waouh, il faut 9 secondes. Ouais, ce film-là, le Batman Forever, n'est pas mon Batman préféré, loin de là. Mais je ne trouve pas si mauvais que ça. Je trouve que Jim Carrey joue quand même bien son rôle. Donc voilà, moi c'est un Batman que je revois de temps en temps avec plaisir, même si c'est pas le premier que je mettrai dans mon lecteur Blu-ray. Donc voilà, pour moi le meilleur, ça restera le premier de Tim Burton avec Jack Nicholson. Y a pas photo. Je m'excuse pour la respiration, j'ai pas l'habitude de ce micro là, donc si on m'entend respirer, c'est une question que faut que je prenne l'habitude en fait. C'est un nouveau micro que j'ai fait, que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc je découvre un peu en même temps que vous, donc voilà. Alors, où est-ce qu'on en était? Comment on descend? Ah putain, encore une combinaison de touches, c'est incroyable comme c'est con. On a 4 touches pour frapper et je vois pas vraiment l'intérêt. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, il plane! Putain, comment il plane ce con! Aouh! Bobo!
Cannibal. Allez voir les Cannibal Lecter, je présume. Ah ouh. Tiens, dans ta tronche. Ah, il y en a un qui est apparu en haut. Hop. Et un, une, deux. Ah ouh. Ah ou ma Jeff. J'ai entendu un boom. Est-ce que c'était en bas? Oh putain. Ah oui, si. Bon, pour l'instant, je suis pas... Oula, rien. Donc j'aime bien le que Robin ait déjà son bâton, ça fait un très très Nightwing. Ah, ouh. J'ai quasiment plus de vie, il m'a foutu dehors de l'écran. Merci, tu m'as sauvé la vie sur moi. Ouah, je vois plus rien. Comment je suis censé deviner? Putain. Ouais, tu me dirais je l'ai fait. Mais bon, c'est pas naturel quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, ouh. Ah ouais, c'est notre nombre de vie, donc... Niveau 4. 4 vivants. Ah. Mangeur de feu. Qui était avec Global Cobblepot à l'époque. Ah, oula. Oh, je l'ai bien éjecté. Ah, la chaise électrique, il faut qu'on quelqu'un est dedans. Ah non, j'ai rien dit. M'a fait mentir, le salio. Par contre, ouais, c'est débile. On a un plein écran et on voit rien. Ah yeah. Ils sont pas cons, ils essaient de m'encercler. Aïe. Mais portail de. Là, ils mourraient, oui. Donc, comme je disais, c'est un peu bizarre, on a un écran complet, on voit juste au milieu. Why not? Enfin, truc à modéliser. Hein. Ah bah voilà. Allez, autre bol meurt. Anglophile. Ça c'est dur. Freak. Raté. Freak. Freakazoid. Freakazoid. Oh non. Il y a un sol là. Ok, il faut le savoir. C'est pas flagrant. Mais... Oh, j'ai encore perdu une vie. Ah, la difficulté est assez relevée quand même. Hein. Putain, mais je le frappe là. Allez, c'est ça, chaîne kill. Tiens, tiens, mon bâton dans la tête. Oh, allez, encore. Là, je voudrais avancer, les gars. Oh, il est bien. Allez, je vais donc perdre une vie, super. Allez, mais meurs. Le niveau est fini. D'accord. Comme ça. Boum. C'est particulier. Pas dire autre chose. J'ai des trucs, mais je sais pas à quoi ça sert. Je vais même pas utiliser le batarang. On va passer, on s'en fout. Où est-ce qu'on va maintenant? À la banque. Ah bah tiens. Enfin, c'est... Je vais à la banque. C'est parce que ce niveau-là me rappelle. Bon, on voit rien. On rappelle justement le niveau de la banque de la version Game Gear. Ça se trouve, la version Game Gear, c'est une version amputée. Hein. Ça ressemble vachement, quoi. Ça construit un paradoxe temporel, alors, parce qu'à ce moment-là, de la histoire, Robin n'existe pas.
C'est mou, hein. C'est mou. Mon avis, quand je serai mort, on va arrêter là les frais. Ça sert à rien d'insister. Allez, Charlie. Ouais, Charlie. Aïe. Les mains, pourriture communiste. Hunter, tu t'es trompé de jeu. C'est dans Resident Evil que tu dois aller, Hunter. Oh, cool. T'as exploité le décor. Oh là, mais quel talent! À l'époque, enfin, je sais plus, la version Game Gear, ce sera sûrement la nostalgie qui part. Est-ce que je peux tomber? Oui, je peux tomber. Vraiment, les recons. Titre fort. Ah, j'ai cru que j'étais bloqué. Mais non. Ouais. Alors là, j'appuie sur. Voilà, merci. J'appuie sur tous les boutons, il voulait pas lâcher. Et il y a la balançoire de Robbie. Aïe. Je crois même pas qu'on va aller à deux vies, quoi. C'est ennuyeux. Je ne m'amuse pas. Aïe. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo découverte de Batman Forever. Franchement, oui, je comprends son statut d'un peu de paria. J'y jouais un quart d'heure et je m'ennuie déjà. Donc je ne vais pas vous faire subir ça encore plus longtemps. Je vous dis bye bye et à la prochaine.